Bonjour à tous, c'est Bibix, le retour. J'étais trop impatient de revenir vers vous. Nous continuons donc notre aventure sur Fortnite Lego. Avant tout ça, il faut cliquer, cliquer, cliquer sur le petit pouce. Merci mes amis. Alors on y va, c'est parti. Reprenons notre petit monde. On y va. Alors, je n'ai pas eu le temps malheureusement d'aller chercher beaucoup de ressources. Nous allons donc tout faire ensemble. C'est parti, connexion. Un petit peu plus rapide qu'hier, il me semble. Nous sommes le 31 décembre, je vous souhaite une bonne année à tous, un bon réveillon, et plein de bonnes choses pour l'année qui suit. C'est parti. Alors, que se passe-t-il? Tout le monde est là. Bonjour Terreur Fluo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? En matière de nourriture, d'abri, de chaleur, on est bon. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'après vous? Améliorer la base. Pour attirer Miaouz Clay, il nous faut des meubles afin qu'il puisse grimper dessus. Pour le chat, on va faire plein de petits meubles pour notre petit Miaouz. Alors c'est parti. On y va. On va aller crafter du bois directement avant qu'on nous en demande. C'est parti. On va les couper là où il fait moins froid. Apparemment, le froid m'empêche de faire le bûcheron. Allez, c'est parti, on y va. Comme on voit. Hop. On y va. Allez, c'est parti. C'est bien ça. On va ramasser. J'ai cassé ma hache. C'est vraiment pas solide cette petite hache. Alors, on y va. Et lui, on va dire bonjour aussi. Hé, Rusto! On n'aurait pas vu en la main? Ne dites à personne que je n'ai pas de travail. parlons travail. Aider le village. Gestion des ressources. C'est ça, je peux faire quelque chose pour vous. Il va aller récupérer des ressources à proximité. Et voilà. Et il veut un établi. Je vais le mettre chez lui, l'établi. Alors. Oh, regardez, il va à l'établi. Mais se met à travailler, Rusto! Ah, bah c'est très bien ça, hein. Vraiment. Bon, on va faire quelques tiges de bois. On avait vu hier qu'on pouvait faire une belle épée et une pelle. Donc on y va. Allez. Et voilà. 5 tiges de bois. Très bien. Et de la planche. On y va. Parfois, je retire. D'accord. Allez, les amis. On y va, on clique. On sort le petit pouce de la poche. On soupe dessus. On met tout son amour. Et on clique. Je compte sur vous, les amis. On y va. Allez. Maintenant, je travaille dans une scierie. Coupons du bois. Et voilà, ça fait 5. On prend tout. On fait de la planche, changer de schéma, dépôt rapide. Pour le max, on va laisser travailler. Est-ce qu'on peut utiliser l'établi? Oui, on peut utiliser l'établi. Alors, un seau, une épée. Un bouclier, des planches, ok.
Bon, une hache, j'en ai plus. Ah, j'ai plus de bois. Ah. Bon, alors on va aller ramasser du bois. À la pioche. Voilà. On ramasse un peu ce qu'il y a par terre. Et voilà, c'est parti. Il me faut absolument une hache. Oh, il y a la fée qui est revenue. Bientôt, je te suivrai. Quand j'aurai mon armure et mon épée de chevalier. Alors, revenons à nos moutons. Une hache. Mais non, il manque encore du bois. Un bois. Allons-y. C'est parti. Va, les petits poulets. J'ai pas encore fait cuire ma viande, d'ailleurs. Là, pour le petit déj, on va se prendre un peu de framboise. Les fruits au petit déjeuner, c'est très très bien. Petite pierre. Bon, là, je dois avoir assez pour la hache. C'est quand même beaucoup plus pratique de couper le bois à la hache. Ça, y a pas photo. Allez, c'est parti. On y va. Petite hache. Ah, il faut du granit aussi. Allez, on y va. Inventaire. On met la hache ici. Et voilà, c'est parti. Couper du bois. Ah, il y a un autre individu qui est venu. C'est tellement bien dans mon village. Le couper du bois, j'arrive tout de suite. Faut que je fasse des meubles aussi pour notre petit miaouss. Et voilà. Beaucoup plus pratique là. Hein, qu'est-ce que c'est que cet arbre mort? Et voilà. Allez les gars, on y va. On clique, on clique, on clique. Un petit pouce. Sans vous, je ne suis rien. Allez-y. C'est bien tout ça. Ça commence bien cette petite partie. Qu'est-ce que c'est que ces jolies fleurs, regardez. Récupérer du symphorine. On va pas tout casser parce qu'il faut que ça pousse. On va casser celui-là. Qui est ici. Voilà. On fait ça. On fait ça, un beau buisson. Tout seul hier, je ne sais à quoi ça sert. Nous verrons bien. Casser le tronc d'arbre là-bas qui traîne. Casser ça. Hop! C'est de faire au plus vite. Les ressources, c'est toujours. Comme quand on va faire les courses à Carrefour. On a très 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 envie d'y aller. Allez, c'est parti. Un peu de granit. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Comme ça, on va aller voir le nouveau. Excusez-moi. Un rusto. Travailleur, Russe. Et non. Et hop, on prend les planches. C'est parti. On prend la planche. On prend la tour. Et on va voir le nouveau. Bonjour, toi. Bénard. Si vous êtes à la recherche d'une aventure, vous êtes au bon endroit. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez des gemmes en stock. Des gemmes. J'aime dormir près des arbres. J'ai parfois peur que l'on tombe dessus. Je crois que je vais passer la nuit dans votre village. On va y mettre un lit avec Rusto. On va lui faire une petite cabane. Attendez les amis. C'est parti, on va lui faire une petite cabane. Ah. On va lui faire une petite cabane. Une petite cabane. C'est une aventurière. Apparemment, pas besoin de s'installer forcément définitivement. Une petite cabane lui suffira bien. Alors, les murs, on y va. Un sol. Le mur.
La poutre. La deuxième poutre. Le demi-mur. Le toit. Et l'autre petit bout de toit. Et voilà le travail. On lui fait un joli lit, bien évidemment. Apparemment, c'est... Ah, hop. Et voilà. On retourne la voir. On y va. Salut, toi. Alors, Bernard, t'as un beau lit maintenant. Hein. Venez vivre dans mon village. Ça serait chouette, un nouvel endroit. Mais votre village ne comble pas mes attentes. J'y revenir. Mais votre village est actuellement bondé. Améliorez le niveau de votre village pour me faire une petite place. Ah, ah, il faut que j'améliore le village. Que je le passe au niveau 3. Qu'est-ce qu'il faut pour passer au niveau 3? Des planches et du granit. Bon, ben c'est parti, on y va. Il manque 11 planches et du granit à fond. On y va. Des planches, des pots rapides. Hop, heureusement qu'on a une hache. On va y aller. Ah, il pleut. Ah, on va pas pouvoir couper beaucoup de bois là. Si à chaque fois je m'en vais du village, il fait froid. C'est pas bon. Oh, on va se mettre un petit feu ici. Ouais, j'ai plus de bois. Hein. J'ai plus de bois là. Il fait tellement froid que je suis en train de mourir. Oh, quel désastre! Cambré, son mal de rein d'hier, faut que je règle, ça va être la touche C. Il fait froid, hein. Non, il faut jamais mettre plus de feu dans le village. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les planches? Ouais, des meubles pour notre miaouss. Ok. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que c'est? On attaque le village! Un squelette! Et toi? Qu'est-ce que c'est? Tiens! Oh, l'épée, elle est costaud, hein! Heureusement que... Heureusement! On va ramasser un peu ce qu'il faut! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il faut que je mange, il fait trop froid. Ils ont tous des épées. Ouh, ils sont pas les bienvenus ici, hein, ces squelettes. Très bien. Allez, on y va. On a ramassé un peu de bois, on va continuer la planche. En plus, il va falloir du granit. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une pioche. Je ramasse hein, la pioche. C'est parti, on y va. Encore un squelette là-bas. Ah, mais il y en a partout. Oula. Je suis mort de faim encore. Ah, ça rajoute vraiment de la difficulté. Hein. C'est vraiment bien ça, par contre. Hein. Le squelette, du coup, j'étais faible. Il m'a eu. Allez les amis, on y va. On clique, on s'abonne à ma chaîne. C'est parti. On est reparti. Bon, je vais chercher mon stuff. Je sais qu'on peut aller chercher le stuff maintenant. Il faut à manger, hein. C'est, un... c'est quelque chose, ça. Hein. Ouh. J'ai plein de... Des os. Un os robuste que les squelettes laissent tomber. On va faire quelque chose avec ça. Allez. Alors, est-ce que je peux faire un feu? Toujours pas? C'est possible. Je vais voir. Oui, j'ai pas de bois. Tout ce que j'avais. Ils sont de retour, hein? Oulala!
Ils vont me tuer. Et personne n'est venu m'aider. Oh, ils sont en train de tout casser ou je rêve? Oh les amis, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes attaqués. Ça va très mal se passer pour eux. Bon, je remets mon épée tout de suite. Et voilà. On ramasse tout ce que j'ai perdu. Allez Bibix, il y en a marre de te faire avoir. Le jour se lève. Ah, il dort. Très bien. Allez, on va ramasser le bois alors. C'est parti. Est-ce que j'ai ma hache, j'ai ma hache. Hop, on y va. Allez les amis, on n'hésite pas. On sort le petit clic de la poche. Et on like. À gogo et en masse. Ouh là 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 là. Ouh. Il m'attaque avec une pioche. D'accord, d'accord, d'accord. Au revoir. Je sais ce qu'elle veut. Il faut que j'améliore. Pas améliorer, mais... Il faut du temps. Il peut. Fille de Bénard, là. En plus, je me les caille tout le temps. Alors, c'est parti. On y va. Hop là. Nous allons donc accueillir la Vénarde et en finir avec cette deuxième vidéo sur Lego Fortnite. Je la fais un petit peu plus courte que la première parce que je me suis un peu endormi quand même, la première. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a dit il faut de la planche, c'est bon, du granit. Ok, on va ramasser le granit. Un gros rocher, ça devrait être très suffisant. Allez les amis, on y va, on sort le pouce et on clique en masse, en masse, en masse. Abonnez-vous à ma chaîne, on y va. Granit, ça devrait être bon. Oh, je suis mort encore deux fois, mais c'est pas vrai. Bon. Il faut absolument que je prenne des ressources pour me nourrir. Et voilà. Alors là, c'est parti. Mon stuff est là-bas. Je n'ai vraiment rien à manger. Il va falloir vraiment y aller. Le froid est mortel. Hein. Je ne sais pas s'il y a des saisons ou pas, mais dis donc. Allez, allez, on y va, améliorer le village. C'est bon, on peut améliorer. Eh ben, dis donc, ce n'était pas de tourpeau. Je suis mort 3-4 fois. Allez, Vénard. Viens dans notre village. Eh oui, tu as ton lit. Fais comme chez toi. Et voilà, les amis. C'est parti mon kiki. Regardez-moi ce décor. Quand le soleil est levé et qu'il fait bien beau. Donc je pense qu'il y a une grotte là-bas. Ici là-bas. Il va y avoir quelque chose. Prochaine vidéo, nous irons dans la grotte. Voir ce qui s'y passe. Et voilà. Nous avons donc accueilli notre... deuxième villageois, la Vénarde, d'une aventurière. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en masse à ma petite vidéo. La prochaine, on ira dans la grotte. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et vous dis à très bientôt. Salut tout le monde et bonne année.